Bonjour. Imaginez que vous faites un contrôle de philo que vous n'aimez pas, et là, il se passe un truc mais complètement what the fuck. Des Pères Noël sont venus à plusieurs dans un lycée pour distribuer des bonbons. Lol. Surtout que ça s'est passé au mois de juin 2015. Le personnel éducatif n'a pas tellement aimé ça, la police et même les militaires sont alors venus et puis voilà. Un supermarché Aldi a fermé en Angleterre car une famille a découvert dans un rayon de bananes des œufs. Non, non, des œufs de araignées bananes. Oui, les araignées mortelles. L'alerte a été donnée et les bananes ont été analysées. Sharon Mills est une Anglaise qui a passé ses vacances en Turquie. Jusque-là, tout va bien. Et à son retour, elle a reçu une facture de 30 000 euros de son opérateur. Déjà que dès qu'elle a atterri là-bas, elle a reçu une facture de 4 000 euros par SMS. Comment ne peut-on pas ne croire à ça? Cette phrase ne veut rien dire. Et à Londres, le 1er août 2015, une grande manifestation sous gaz hilarant a été organisée devant le palais de Westminster. À l'heure où je parle, ils sont déjà plus de 1 000 sur l'événement Facebook. Ils se manifestent sous gaz hilarant car c'est pour contrer contre l'interdiction de plusieurs psychotropes, dont le gaz hilarant. Attention tout de même avec ce gaz, hein, parce que... Regarde, il est en train de se faire brûler par Godzilla. Ah, j'ai des barres de rire. Oh ta gueule! Maintenant que votre dose de désinformation est terminée pour aujourd'hui, je vous invite maintenant à rejoindre la chaîne, les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu, hein, comme les désinformations internetisées, et surtout partager la vidéo, ça c'est le plus important. Et sur ce, bonjour tout le monde.